D'après ça, nous t'apprenons au niveau Mon Cabrit, bandit a kidnappé un bus Capital Coach Line qui t'a sorti en République Dominicaine. Il a gagné environ 26 à 28 moun la donne. Il a poté aller employé et puis déshabillé tout ça. Il a gagné la donne, mais c'est pas d'ailleurs fait qu'on est. C'est un chauffeur dominicain. Mais pourquoi il est là? Il a cherché le cochon fou et personne ne pas connaît qui côté le fait. Il t'a égaré dans la nature. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Réseau Information. Content, ça m'avène. Je dis à ce moment pour me présenter plusieurs points dans la nouvelle là. Restez là, mes nouvelles là, dans bon gentil mamite. Du même coup, yo allé plus loin pour faire connaître tout. Bandi yo pas capable de piloter bus ça. Yo était obligé d'abandonner au coup de route. La police qui t'a flatté dans la zone là, t'es arrivé, découvert toute brigandaille, messieurs yo t'a fait à terre. Gen yon commission qui rentrait sorti les États-Unis, Canada, vienne mener enquête. Sous ça, yo fait connaître côté, gen yon police haïtien qui t'a traversé moun pour 25 000 gouttes. À 30 000 gouttes. Du même coup, il y a demandé population pour te coller pour capable de connaître dans quel contexte. Policier ça yo t'a traversé moun dans Chablende yo sorti la fito pour arriver dans zone Bon Repos et sorti tout dans zone Cabaret pour t'a traverser aller plus loin toujours. Mesdames, messieurs, en pile information dans la nouvelle là, restez là, on nous entre dans détail information yo, et si vous pouvez faire ça, songez à abonner ensemble avec nous, plus détail avec information à venir dans la nouvelle là sur Réseau Paola. Et dans comment ça se semaine ça, tu as une quantité de bus qui t'ont fait tentative pour te passer aller dans zone Lafito, bus ça a été sorti dans zone Semak. Et bien, gagné responsable syndicat chauffeur propriétaire véhicule Balatibonite là, Edzer Pierre qui fait qu'on est essayé passer Canaan pour entrer le Port-au-Prince. Ça a passé à Yemadian, côté bandit à exam, fouillé yo dans la zone Lafito, obligé tout le monde de descendre machine yo pour yo prendre tout sac sous yo. Et malgré toute tentative yo te fait, bandit yo te obligé, bandit yo fouillé yo te obligé retourner. Yo kouni la, c'est yo obligé pour route mieux balaya pour y aller Port-au-Prince. Yo route d'après responsable syndicat ça, qui long en pile et qui crase. Machine yo. En tant que déclaration, Edzer Pierre, un ami co-collaborateur, nous, Milsa Marius. Syndicat, oui, puisque nous avons une machine à Kayo, qui a passé, nous avons même obligé de faire sauvage, nous passé tout, et c'est dans le même jour que nous avons fait action sur la machine à Kayo, puis nous avons arrivé, nous avons même pris action entre nous, fouillé trois machines, nous avons même, puisque nous fouillé trois machines, et nous avons retourné passer parmi les balais encore. Moi, je suis passé sur une entente que nous avons joint, ou bien nous avons un bagage spécial qui fait l'MD spécial là. J'ai une entente officielle qui devait nous dépasser, je ne sais pas si c'est comme ça ça dit. Et tant que syndicaliste, ça qui est ce que je fais entendre. Nous avons fait entendre dans l'État, pas dans l'État dans le pays. Peut-être nous-mêmes, nous les chauffeurs, nous organisons, nous, si des passages, nous prenons chance, mais puisque nous ne pouvons pas passer pour nous, nous sommes même côté de l'État. Qui est-ce que vous fouillez comme ça? Yo fouillé yo machine qui c'est Lovens, yo machine fait pardon pour Saint-Marc, yo fouillé Lovens, yo pour Cobnomen, yo bal pression, yo dis c'est pas bal 50 000 gouttes à battre en navel, bon bat bien comme 5 200 dollars de gain libéré. Yo prend Roberto, yo mette tout le monde à terre, yo fouillé à la file indienne. Yo prend une machine qui c'est machine pour son de la voix qui c'est Johnny, et yo fouillé, yo prend tout le bagage de machine dans tout le monde, yo prend tout le Cobnomen. On connaît où tu vas aller à son qui est difficile pour combien de temps là? Bon, non, la sous l'État, pour l'État décider de nous retirer dans la donne. Parce que vous habituez nous l'IATA, il va gagner tout fouiller la donne, il va gagner bloquer ce bagage. C'est l'État pour nous, sécurité pour nous passer la donne. Il y a une information qui dit chaque fois que nous quittons la station Saint-Marc, dans le Port-au-Prince, les lampes de Port-au-Prince sont obligés d'aller dans le garage. Oui, parce que vous là-bas, bon, vous la crasinet, mais c'est quelques prochains en haut. Cap fait boucher tissu dans route là qui fait venir moi aller mais chauffeur tout le temps passé au fait mendeur avec eux qui cause toute la vie bon c'est aller mais chaque lot vini tout à fond 5000 dollars vini faut aller payer 2000 dollars 3000 dollars dans garage pour en bas votre machine dans pour les pour bon joint pour plateau tout crasé pas gain route on met ça spécial ça n'a pas monsieur dire message mais spécialement envoyé pour gouvernement même lui les position moi avec nous qui ont quitté l'insécurité à la laïté banda trop dans le pays. Il faut faire un jour pour rester malheureux, pour passer pour aller voir qui activité pour nous pas mourir.
nous avons des déclarations Edzer qui t'a parlé dans le micro collaborateur nous Edzer Pierre dans le micro collaborateur nous 1100 Madeus avec des tas d'informations yo un bateau qui portait nom Catalina Blue qui t'a transporté 72 containers qui étaient chargés avec marchandises en fait naufrage à mercredi 18 janvier 2023. Bateau ça qui était sorti dans Port Lafitte sur route nationale numéro 1 et loué rendu dans APN autorité portuaire qui se trouvait boulevard La Saline. D'après information que tu as joué nous, bateau ça t'a transporté camion avec conteneur et qui sorti plusieurs côtés et dans plusieurs ports dans pays. Faut dire que depuis plusieurs mois bandi armé toujours occupé route nationale numéro 1 dans zone Lafitte, Canaran, Titanien, Axa qui baille accès à Port-au-Prince ensemble avec Port Lafitte complètement inaccessible, aucune machine n'a pas qu'à passer. N'a parlé dans sa guerre avec un dossier insécurité en pays d'Haïti, chef gang ou ancien policier et vin tout d'un chef gang Alex Armstrong du Monet perdit la ville hier dans Pétionville. Chef gang Bridsouan qui sont localité dans commune Pétionville, Alex Armstrong du Monet mourit hier dans Pétionville. Il était dans zone 8h du soir, comme monsieur était toujours été dans la rue, yo balonti non jouet général Alex, il était bien en sani pas trop loin Djumbala sur votre frère là dans Pétionville. Selon source qui t'a sorti bon côté la police, ancien policier a été mouri dans boucanté coup de balle avec force l'autre Alex Armstrong Dumonet était gain avis recherche derrière. Après opération la police a été obligée rétablir un périmètre sécurité autour des cadavres pour empêcher avant que yo vienne faire constat légal. Et puis dans le département de la Tibonite, tout a gagné 3 individus qui jouent dans l'arrestation. Il y a 2 âmes saisies avec une quantité de cartouches dans la commune antirivière de la Tibonite. Ça passait à mercredi. Spenger et Virgil, Normil Joseph, aka Arnel Simon, c'est nos 3 individus qui ont gagné un fusil M4, un pistolet avec plusieurs cartouches 556. Service renseignement départemental de la police dans la Tibonite. Fait qu'on est individu ça y a gagné relation à groupe gang-gang-flan cap frappé dans la localité Savien de la Tibonite. Toujours dans sa guépoua avec dossier insécurité, gagnant yon bus qui fait trajet Port-au-Prince République Dominicaine badi Axamta attaqué bus à Aye dans zone Mon Cabrit. C'est un qui gagne gros âme nan mayo qui attaqué bus compagnie capitale Coachline Aye mercredi dans zone Mon Cabrit son commune dans Croix des Bouquets. Et c'est ça font l'autre autobus encore que monsieur yo mette men sou li. Te gagne 37 passagers qui étaient en dedans bus sac t'a venu dans pays d'Haïti. Leur était venu dans Mon Cabrit qui sont localité dans commune Croix des Bouquets. Nèg examen a arrêté bus là et ça d'après information t'a venu joindre nous au testant t'a recevoir 3 balles. Yo courir avec bien vite dans un centre de santé. Pas aucune nouvelle dans son chauffeur qui t'a en dominicain et c'est première fois que il t'a fait voyage entre Haïti avec Saint-Domingue. Faut nous faire connaître que autobus là bandi était obligé abandonner la sur route là parce que yo pas capable piloter autobus là qui c'est autobus compagnie Coach Line. N'a pas toujours été dans le trafic et n'a fait insécurité, hein, puisque le dossier qui a fait un bon temps, t'a parlé, c'est quantité d'âmes qui ont été kembé dans un conteneur qui était pour l'église épiscopale dans le pays d'Haïti. Eh bien, il y a un cadre d'enquête qui a mené sur le dossier trafic d'âmes avec munitions qui impliquait l'église épiscopale dans le pays d'Haïti. Jugement tel Jean-Claude a continué instruction. Magistrat étendait mardi 17 janvier, on nommé qu'il est les Samson. François, d'après ça, qui t'a sorti, après audition François Samson, eh bien, officiellement, yo kembe, monsieur, yo mette l'en prison. Selon information, yo, c'est lui-même qui t'a dû recevoir colis à yo, qui t'a sorti dans main Rémi Lindor, qui vive dans le pays États-Unis d'Amérique, d'après les dernières informations que fin de jeune. On a souligné que il y a plusieurs personnalités qui déjà arrêtées dans le cadre de dossier ça, qui a kembe l'église épiscopale dans le pays d'Haïti, on a appelé Jean-Gilles Jean-Marie a été joué en arrestation. C'était le dernier monde, c'était comptable. Il a été arrêté le 23 août 2022.
N'a pas été dans sac domine actualité, hein. C'est surtout sac qui pour avec dossier CSPJ, hein. Gen réaction continue à tomber. Gen association juge de pays dans pays d'Haïti qui réagit après décision CSPJ pour mettre plus qu'en trentaine juge de yon dans le système, non? Contrairement avec l'autre voix qui a levé pour dénoncer travail, commission, certification, conseil supérieur pouvoir judiciaire, association juge de paix haïtien. Yo même pas voulu entendre bagay ça même dans oreille yo dénoncé par contre tractation qui serait au même de l'autre objectif pour ta salle image conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ bien quelques conseillers qui yo même c'est le même ta influencé résultat au préjudice donc quantité magistrat gagné association juge de paix et qualifié de ridicule et même inacceptable allégation contre un institution cap travail pour être capable redorer blason système judiciaire qui si tellement décrié dans pays d'Haïti. On l'autre côté yo dit yo encourager acteurs pour entendre voix magistrats non certifiés pour capable gagner éventuelle reconsidération pendant il y a pour renouveler confiance dans représentant juge de paix conseil supérieur pouvoir judiciaire. Dans ville Gonaïve, deux jours après audition ou bien décision CSPJ prend pour écarter quelques magistrats dans le système judiciaire dans le pays, plusieurs voix levées dans ville Gonaïve pour dénoncer et décision ça. Maître Nixon Gilles, qui est un avocat qui n'en bas au ville Gonaïve, déclare décision CSPJ prend son décision injuste parce que juge Denis Pierre Michel CSPJ écarté dans système là c'est un juge sérieux qui t'a dû joindre un autre traitement. Maître Nixon Nangil a demandé pour gagner une commission qui formait pour regarder sanctions qui pourraient être contre juge Denis Pierre Michel là. En tant que déclaration Maître Nixon Gil. En partie CSPJ a fait un bon travail parce que il y a un peu de mauvais grain dans le système là. Et ça a un pile problème. On sait juste ça. Juste ça a un pile problème dans le système. Mais, il y a un travail technique pour moi-même, CSPJ, pour arriver à cerner du fait que nous ne sommes pas quoi dans le micro-trottoir vraiment. Et peut-être que y a un monde qui doit aller à côté de plainte ou même y a un monde qui doit dire un bagaille. Et il agit sous lui. Mais nous avons deux juges dans le système là qui ont pas sanction contre eux. C'est un juge Denis Pierre Michel avec Jésus Blondel, petit frère. Comment vous comprenez la sanction ça? Bon, moi-même depuis 2009, moi avocat. Et jugeant lui-même, il a toujours fait travailler bien. On parle de qui? Juge Denis. Mm-hmm. Il a toujours fait travailler très bien. Et compétence ou pas qu'à mettre ou pas qu'à discréditer lui c'est un juge qui gagne tout ça le gain et l'état doit gagner en tant que un juge qui compétent d'abord même décision ça est injuste donc moi même qu'on aime pas qu'on est qui technique CSPJ employé mais est-ce que CSPJ lui-même il gagne des preuves tangibles. S'il y a des preuves tangibles, oui, qu'il a bien agi, mais s'il n'y a pas des preuves tangibles, les gens sont supposés faire un recours contre la décision. Parce que pour moi-même, moi, jugeant lui-même, c'est un juge qui travaille dans la juridiction, qui a coupé bandit. Depuis qu'on est des juges de nuit, et il était là, la petite colle dehors. Nous avons des déclarations, M. Nixon Gilles, qui sont avocats dans Barouville et Gonaïve. Il y a une réaction qui passe sur le tombé après CSPJ fin publié liste magistrale Likembe et puis liste sale mette dehors dans le système non, qui est dans mauvaise affaire. Président Anama, juge Jean-William Mourin, qui est vice-président de l'association Merlin Toussaint, CSPJ te mette dehors dans le système non, annoncé qu'il y a des matchs qui déjà prennent dans l'idée bon côté conseil supérieur judiciaire pour être capable de possibilité pour vérifier. À analyser tout dossier que magistrat et CSPJ mettait dehors pour si pas gagner erreur dans le travail commission technique certification. En tant que déclaration, président Anama, juge Jean-William Morin.
Nous-mêmes, nous prenons acte de ce que CSPJ a publié aux listes de magistrats certifiés et non certifiés dans le cadre du processus de certification des magistrats. Nous prenons acte derrière des mentions qui sont faites à côté des non-magistrats dans cette publication. Nous autres, nous pas capables de certification bien faite ou pas bien faite. Nous connaissons seulement son exigence de la loi. Faut qu'il fait. Maintenant, nous avons des magistrats cap pleins, nous avons des deux collègues qui déclaraient que le dossier est mal apprécié. Et c'est peut-être ça, nous allons associer nous avec des associations sœurs pour que nous, et rapidement, et demander audience dans CSPJA pour que nous soyons capables de possibilités, si possible, pour nous capables de jeter un coup d'œil sur certains dossiers pour nous citer des erreurs et à ce moment-là, nous sommes capables de faire des recommandations, de nouvelles analyses de dossiers magistraux qui eux-mêmes ont estimé que nous sommes victimes. En gros, c'est un travail que la loi exige. En gros, c'est un travail que nous toujours encourager, mais nous croyons tout que c'est nécessaire pour nous bailler magistrats aux possibilités pour nous défendre dans le cadre de la processus. Parce que pas de recours, et si pas de recours, il faut gagner une analyse, une étude de dossier qui est fait avec le concours du magistrat concerné. Nous n'avons pas dit que CSPJ est trompé, mais pas de aucune œuvre humaine qui est parfaite. Dans toute appréciation, une appréciation faite, et puis dans le cadre de cette analyse, il y a toujours des erreurs qui sont faites. Mais nous ne sommes pas sûrs, nous ne sommes pas certains, nous ne sommes pas qu'à mettre maintenant du feu, c'est derrière erreur. Tout simplement, nous-mêmes, en tant que président de l'ANAMA, nous avons quelques réserves. Et comme nous avons toujours fait à chaque fois derrière certification, nous avons toujours rencontré avec le CSPJ après certification. Donc, on va croire que la pompe chez Cognac, pour nous rencontrer avec elle, pour nous discuter avec elle, et on est toujours capable d'amener des explications si ils ont trouvé que c'est nécessaire. Ça ne dépend pas de nous-mêmes, association, et ça ne dépend pas même nous-mêmes de CSPJ, parce que gagner un ensemble d'institutions à organes dans le pays qui sont même là pour réprimer les infractions, quel que soit le niveau que le commettre, quel que soit le niveau qu'on mette là. Donc, moi-même, je n'ai pas gagné pour analyser ça. Et l'administration du tribunal est encore là. Il y a un doyen qui fait l'administration du tribunal et la loi dit doyen, lorsqu'on juge soit mandat fini ou bien pour raison ou l'autre juge à pas là, pour le redifier le dossier avec. Et bien, notre juge, il y a même compétence qui est capable de traiter le dossier. Nous obtenons les déclarations juge Jean-Wilner Mourin. Après, dans l'autre point dominé actualité, un gouvernement haïtien finalement publié dans le journal officiel Le Moniteur, arrêté qui nommé personnalité qui composait au conseil en transition ensemble avec attribution. Gagné femme politique Camille de Hippolyte Maniga, homme d'affaires Laurent Saint-Cyr, et pasteur Calix Fleuridor qui composait au conseil transition suivant article 1 arrêté qui sorti dans le conseil des ministres qui est fait le 31 décembre 2022. Selon document ça qui est publié, personnalité ça qui désigné et par secteur politique, économique et social, l'État pour mettre à la disposition HTCA moyen nécessaire avec exercice attribution yo qui prévoit dans le consensus national là pour une transition inclusive avec élection transparente qui était signé le 21 décembre 2022 d'après sa article 2 arrêté qui peut être signé du premier ministre haïtien Ariel Henry avec l'autre membre cabinet ministériel là. Selon article 3, et dans l'arrêté ça qui est publié, membre du conseil de transition, il n'y a pas ni gain droit, ni en quelque sorte, il n'y a pas ni en droit, ni en fait ordonnateur ou bien comptable dernier public. Du fait que dans notre ça, prestation, yo, pendant la transition, bien, il n'y a pas aucun cas. Pas gain en rien pour le ni il n'y a pas hypothéqué légalement, ni pas fait objet de aucune obstruction ni décharge. Et d'après l'information qui est venue de nous, pas gain aucun communiqué jusqu'à présent qui baille date qui prévoit pour installation au conseil de transition qui est la rentrée en fonction d'après note qui sortit dans le journal Le Moniteur.
Et puis on a fini avec journal là dans sa pour avec rapport qui vient entre Haïti avec un pays Canada. On a dernière information, tu as gagné une signature qui fait à mercredi un nouveau protocole d'entente entre dirigeant police nationale d'Haïti et sous-commissaire gendarmerie royale pays Canada Michael Dufesne. Afin de dire à quoi ça a porté sur renforcement capacité avec la police nationale là, selon un message qui portait sur compte Twitter, ambassade du pays Canada, gagné dans le pays d'Haïti. Jeudi, sous-commissaire et police là, dans le pays Canada, Michael Dufesne a signé un nouveau protocole d'entente qui visait faciliter la coopération entre deux pays pour renforcer la capacité de la police nationale d'Haïti. D'après ça, nous avons sur le côté pays Canada, Ottawa, réaffirmé une autre fois encore soutien à la République dominicaine, la République d'Haïti. Visite ça qui est faite dans le pays d'Haïti, son responsable de la gendarmerie royale pays Canada, qui était entré dans le contexte pour observer ce qui a passé dans le pays. Et puis, passé en revue diverses critiques qui t'a sorti bon côté film canadienne qui était doué ou bien qui vend dans pays Haïti et une série de équipements qui ont qualifié de mauvaise qualité et qui a joué dans police nationale là qui engagé dans lutte contre bandits armés.